Ô Dieu protecteur, contemple cette flamme et entends nos prières. Dis, à propos du cristal que tu as montré à cet artisan, appartenait-il par hasard à l'un de mes camarades ? Excuse-moi de respecter ton intimité. Qu'est-ce que tu croyais, que j'allais te coller au basque à longueur de journée ? Allez, dis-moi, d'où vient ce cristal ? Alors comme ça, c'est celui de Rendari ? Et c'est maintenant que je découvre ce que mes camarades avaient sur le cœur. Du début à la fin, ils ne m'auront jamais déçu. Décidément, c'est fou tout ce qu'on peut apprendre après sa mort. Sur toi, sur cette eau, et aussi sur mon monde. Je réalise à présent à quel point il était tenace et rempli d'espoir. Je ne suis pas doué pour raconter des histoires, mais si ma route recroise un jour celle de mes frères et sœurs d'armes, je tâcherai au moins de leur faire savoir ça. Merci pour tout, vraiment. Je n'ai plus qu'une envie, c'est de t'escorter jusqu'au bout de ton périple. Désolé, on est en retard. On a réussi à gagner leur confiance, on dirait. J'avais mes réserves quant à notre plan, mais on a bien fait de se retrousser les manches, finalement. Comme quoi, ça paye de faire preuve de bonne foi. Yashtola nous a appris que ce bâtiment datait peut-être du temps des Assyens. La cité des Assyens. La peinture qu'Emet Selk en a faite m'avait laissée songeuse. Mais là... Oui. En admirant ce vestige, on réalise à quel point leur architecture devait être grandiose. Le temps n'a pas eu raison de leur attachement à cette époque. Au contraire, ils désirent plus que jamais ressusciter leur précieux paradis perdu. C'est absurde. Ils vont réunifier les mondes, et après, ce n'est pas ça qui ramènera leurs proches à la vie. À leur place, je me demande ce que je ferai. Et vous, ça va en ce moment ? Vous n'êtes pas trop fatigué ? Ça y est, vous avez fini de prier ? Oui. Les anciens ont reçu nos respectueuses pensées. Merci encore pour votre participation. Voulez-vous bien nous en dire plus sur cette fameuse étendue nidescente à présent ?
Il y a quelques jours, une vive lueur est apparue au fond de la grande fosse sous-marine, à l'ouest d'ici. Nous avons accouru pour voir cela de plus près. C'est alors que nous avons découvert une gigantesque cité. D'aspect, elle ressemblait en tout point à nos immarcessibles demeures. Pour nous, cela ne faisait aucun doute. Les anciens étaient de retour. De peur, nous sommes rentrés en hâte à Baïn et avons décidé de ne plus nous aventurer là-bas, à moins qu'un signe du destin ne nous y invite. Est-il encore possible de s'y rendre à l'heure actuelle ? Oui, maintenant qu'il n'y a plus d'eau, même des sans-nageoires comme vous peuvent y faire un tour. J'aime à croire que votre venue est providentielle. Je vais donc vous aider, en commençant par vous trouver un guide. On est parti.
C'est moi, je rêve. Je comprends mieux pourquoi les Hondo ont pris peur. Cette cité est gigantesque. Vous pouvez donc la voir, vous aussi. C'est vrai qu'elle ressemble aux vestiges qu'on a vus au village Hondo. À une différence près. Les vestiges étaient réels, eux. Là, on a affaire à une illusion à grande échelle. Une cité mirage, si vous préférez, érigée à même la fosse océanique.